Je m'appelle Hindou Cheikhna Mohamed Lagdaf. Je suis à la tête du commissariat des mineurs ouest. Nous, notre mission, c'est la protection des mineurs. Notre rôle consiste à entendre, à suivre, à faire les enquêtes concernant toute une affaire où il y a un mineur. On essaie de le protéger et de faire ressortir ces problèmes qui l'ont poussé à devenir délinquant. Dans le traitement des victimes, il y a la mettre surtout en confiance, en s'approchant d'elle, en la mettant à l'aise pour pouvoir parler de ses problèmes, pour pouvoir l'entendre. Il faut qu'elle sache qu'elle est entre de bonnes mains, qu'elle est dans les lieux appropriés pour son problème. On a aussi les crimes qui sont commis par les adultes sur mineurs. Et les plus répandus, c'est les viols. En général, c'est les petites filles, on a vu de tous les âges, de quelques mois à 18 ans, et qui était un sujet très tabou et qui a pris connaissance des commissariats, et ils viennent directement maintenant annoncer leur cas au commissariat, et ils ont pris confiance dans notre équipe de travail. Le cas de viol est pris en considération et pris tout de suite. Il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont formés pour ça. Une réquisition imminente doit sortir parce que les traces qui sont laissées par les violeurs doivent être exploitées tout de suite. Dans ces affaires, il arrive que les parents de la victime en général viennent demander à ce qu'ils retirent. Mais ça n'arrête pas le processus pour nous. Le violeur doit être soumis à la justice. C'est des femmes qui sont à la tête de ces commissariats. Pourquoi? Parce que je pense que la femme est plus proche de ses problèmes. C'est un métier qui est très humain et qui me donne la force de travailler parce que le travail de la police est très dur. Ça m'absorbe parce que vraiment c'est un métier qui me convient et je suis bien.